Ben oui, je vais vous faire maintenant la suite. Donc, numéro 2, je vais vous faire pour le moment le prélude. La deuxième suite va avoir le même nombre et le même nom de mouvement que la première, mais c'est pas du tout la même couleur. En fait, la première suite qui est en sol majeur est extrêmement joyeuse. Ça représentait la sérénité, la plénitude, l'abondance, les vacances pendant l'été, même un lever de soleil pendant l'été. Ça, c'est comment moi je l'interprète. Ici, la deuxième suite, complètement une différente couleur. C'est beaucoup plus introspectif. C'est plus comme une quête, quelque chose qui n'est pas complété. Même qu'en fait, c'est comme une imploration de plus grand que soi pour nous aider à sortir d'une part d'ombre qui est en nous. Je vois ça comme ça. C'est vraiment comme un questionnement ou un doute, un désarroi, mais on implore quelque chose de plus fort que nous pour nous aider à trouver la route. Alors voilà, le prélude de la deuxième suite de Bach pour violoncelle seule, mais avec mon alto.